بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبصر نقل شيخ ذكر حديث الحافظ الفقيه الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى Nous sommes arrivés ici dans le quatorzième hadith. Et ce quatorzième hadith, c'est un hadith qui est en un Hadith Abihuraira, rapporté par le Bukhari muslim. Dans ce hadith, al-Hafiz, concernant ce hadith al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, ala, dans son explication de Sahel Bukhari, il dit Ce hadith comprend trois points englobant les nobles, car les nobles caractères, aussi bien au niveau de la parole qu'au niveau des actes.

Et aujourd'hui, nous ne disent que du bien ou se taisent. Donc, fait partie de la foi parfaite, le fait de quoi donc De dire du bien et du ré. Autre point important, l'excès dans le langage. L'excès dans le langage est une cause de perdition. Et le fait de retenir sa langue est la voie du salut. On se rappelle la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, lorsqu'il dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنّه لا ينطق بكلمة واحدة، دون أن يكون بجانبه مراقب مُتّبع. سبحان الله. الإمام البخاري رحمه الله تعالى رَبَّحَتْ دَبْقَلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il en est qui prononcent une parole satisfaisante aux yeux d'Allah wa ta'ala Sans pour autant qu'ils aient conscience de sa véritable portée Et Allah les élève d'un certain nombre de degrés Et il en est qui prononcent une parole insatisfaisante aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala Sans pour autant qu'ils en aient conscience et cela les précipite en enfer Autre enseignement dans le hadith, l'éthique du langage L'islam comprend un certain nombre de règles, de politesse Relatives à quoi donc au langage, le musulman doit veiller à ne prononcer que des paroles utiles et se détourner des futilités. Le musulman doit éviter de parler avec excès, même si les paroles qu'il prononce sont dépourvues de tout caractère illicite. L'imam al-Tirmidhi rapporté un hadith d'Ibn Umar qu'il dit « Ne parlez pas avec excès, si ce n'est pour évoquer Allah. Quiconque parlera avec excès, verra s'endurcir son cœur. Or, la dureté du cœur éloigne les gens d'Allah. Et Omar ibn Khattab, il disait, « Quiconque parle avec excès, multipliera ses erreurs. Et quiconque multiplie ses erreurs, verra le nombre de ses péchés augmenter. Et quiconque accroît le nombre de ses péchés, méritera par excellence d'avoir l'enfer pour demeure. »« Parmi les éthiques du langage encore, la parole est obligatoire en cas de besoin, plus particulièrement quand il s'agit de dévoiler la vérité, de commander le bien et d'interdire le blâmable. C'est là une des qualités les plus remarquables. Tamam Aïwa. C'est pour ça que dans ce moment, à ce moment-là, dans ce cas, s'abstenir d'en faire usage, c'est faire preuve de désobéissance et c'est commettre un péché. Parce que celui qui tait la vérité n'est autre qu'un démon muet. Allahu Akbar. Autre élément encore, autre enseignement. Prendre soin de son voisin. Le bon comportement. Le bon comportement envers son voisin. Tamam, Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Aisha, le prophète sallallahu alayhi wa dit ne cessait pas de me recommander la sollicitude à l'égard du voisin, à tel point que j'ai cru. Qu'il allait lui donner droit à une part de l'héritage. Alors, Eytoum, subhanallah. Donc, mais, ça fait partie de quoi donc De la foi parfaite De prendre soin de son voisin et d'avoir un bon comportement envers le voisin. Et ceci est une souna du prophète, alayhi wa sallam. Et des exemples, les exemples sont nombreux. On a le hadith rapporté par Ahmed al Ahmed, d'après Omar ibn Khattab, anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le croyant n'a pas le droit de se rassasier tout en sachant que son voisin est affamé. Allahu akbar. Dans une autre version du hadith rapportée par Al-Hakim, ne peut croire en moi quiconque passe la nuit rassasié tout en sachant que son voisin est affamé. La ilaha illallah. Djamil. Donc on se doit, barakallahu fiikum, d'avoir un bon comportement vers son voisin, Dayib, un bon comportement aussi également envers son invité, car l'hospitalité, l'hospitalité, abdoyafa, fait partie de quoi donc, des nobles caractères de l'islam, et c'était le bon comportement qu'avaient les prophètes et les messagers. Tamam, le fait d'accueillir son hôte avec le sourire et le discours aimable, et les savants, dans leur majorité, disent que l'hospitalité est une recommandation, qu'elle fait partie des nobles caractères, mais qu'elle n'est point une obligation, car le prophète a dit qu'il reçoive généreusement son hôte. Ce qui, selon la majorité, et contrairement à l'imam Ahmed et à l'ayfi ibn Sa'd, ne signifie pas l'obligation, car la bienfaisance et la générosité, N'ont rien d'obligatoire, mais font partie des nobles caractères. Donc, on se doit de traduire ce hadith en pratique. Il est très important de traduire ce hadith en pratique, les notions soulignées dans ce hadith, car cela aura pour conséquence d'établir l'entente entre les cœurs, d'éradiquer la haine et les rancunes et d'unir les individus. Donc, c'est un hadith qui est rempli de fawaïd et de leçons bénéfiques pour le musulman. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك